Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de mon nouveau smartphone que je viens de recevoir. Il s'agit du Samsung Galaxy Z Fold 2, les amis. Je vous en avais parlé il y a de ça quelques jours que ce téléphone me faisait de l'œil depuis sa sortie. Et bien du coup, ça y est, j'ai craqué, je l'ai commandé, je l'ai payé, je l'ai reçu. Et je précise bien, je l'ai payé. Il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée pour la marque Samsung. Le téléphone, je l'ai ralasse moi-même. Pour ma part, j'ai craqué sur ce téléphone car je trouve que c'est un très bon compromis entre le smartphone et la tablette. Pour reprendre les termes de Dragon Ball, je trouve que c'est une fusion plutôt bien réussie parce que oui, c'est un smartphone. Une fois déplié, eh bien, on dirait une tablette. Et pour le coup, c'est ce que je recherchais. Alors, bien entendu, en termes de caractéristiques, il fait la 5G. Il y a 3 appareils photo dorsales de 12 mégapixels chacun. Et surtout, il y a 12 gigas de RAM dans ce téléphone, dont 256 gigas de mémoire, mais 12 gigas de RAM quand on joue au jeu mobile, c'est très important. Allez, voilà, je l'ouvre. Je tiens également aussi à rappeler que effectivement, il y a la 4K, écran Super AMOLED, et l'écran, une fois déplié, il fait 7,6 pouces. Eh bien, voici la bête. Alors, du coup, on va enlever le film protecteur. Là, on le retrouve une fois déplié dans sa boîte. Donc voici le smartphone après avoir retiré le film de protection. Du coup, on va le plier. Et voilà. Là, on a un smartphone classique entre les mains. Donc vous voyez, par exemple, j'avais le Samsung Galaxy Note 10. On peut les comparer côte à côte. Voilà, ça ressemble plutôt à un smartphone classique. Hormis que du coup, bah forcément, l'épaisseur fait le double d'un Galaxy Note. Puisqu'il y a un double écran à l'intérieur. Vous voyez, hop, franchement, bah pour le coup, c'est ce que moi, j'attendais, avoir un smartphone qui puisse être une tablette si j'en ai le besoin. Donc voilà ce que ça donne hein, à l'arrière. Voilà, je vais vous rapprocher ça. Les 3 appareils photo qu'on peut retrouver, je vous le rappelle, 12 mégapixels par appareil photo. Il y a également appareil photo frontal, 10 mégapixels devant. Mais il y a également un autre appareil photo frontal, une fois déplié, de 10 mégapixels également. Au total, 5 appareils photo. Je tiens également à préciser que la boîte, hein, le packaging de ce téléphone est plutôt bien fini. Hein. Je trouve ça vraiment sympa. On peut également retrouver du coup eh bien la petite épingle hein, pour mettre la fameuse carte SIM, la notice, bon bref, chargeur, câble USB-C, les écouteurs, etc. On connaît, on a l'habitude. Après avoir fait le déballage de ce smartphone, eh bien il est temps de l'allumer tout simplement, comme vous pouvez le constater, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Et pour le coup, eh bien, dans cette vidéo, on va aller tester les jeux mobiles Dragon Ball Legends et Dokkan Battle. Je ferai un cut au montage car j'ai remis ma carte SIM, j'ai réinstallé toutes mes applications, les réseaux sociaux, les jeux mobiles dont Dragon Ball Legends et DBZ Dokkan Battle. Et c'est là où cette vidéo va avoir toute son importance parce que moi, en tant que consommateur, avant d'acheter ce produit, eh bien, j'ai voulu aller voir certains tests sur ce Samsung Galaxy Z Fold 2. Et croyez-moi, à aucun moment, je n'ai vu quelqu'un jouer au jeu mobile sur le premier écran de ce téléphone. On a vu des jeux de bagnole, mais une fois l'écran déplié. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut jouer au jeu mobile sur le premier écran de cette première façade de ce téléphone? Voici le smartphone, une fois déplié, avec toutes les applications installées. Comme vous pouvez le voir, c'est très intuitif, ça répond vraiment très très bien. Et chose vraiment aussi importante, parce que c'est bien beau de le voir à travers des vidéos, etc. Moi, j'avais peur de la prise en main du téléphone. Eh bien non, comme vous pouvez le constater, par exemple, à une main, eh bien, je peux naviguer avec mon pouce, etc. Et même pour jouer à Dragon Ball Legends, finalement, parce que moi, je suis quand même un joueur qui ne joue pas avec les deux mains à Dragon Ball Legends, je joue souvent à une main. Du moins, je tiens mon téléphone de la deuxième main et souvent, je joue à une main. Eh bien, ça va être possible pour Dragon Ball Legends. Et j'avais peur de ça quand je regardais les vidéos, de me dire,
est-ce que le téléphone sera peut-être un peu trop gros dans ma main? Finalement, non. Je trouve que voilà, il a vraiment une taille assez intéressante. Je le rappelle, 7,6 pouces. En tout cas, c'est un produit vraiment bien fini sur le châssis, etc. Ici, on retrouve la marque Samsung. Vous voyez, c'est vraiment bien fini. Moi, je le trouve super chouette. Au niveau du poids, effectivement, bah, c'est un peu plus lourd qu'un autre smartphone classique, vu que là, il y a plusieurs écrans. Mais ça va, franchement, ça va. Ça reste vraiment très, très convenable. Et pareil, hein, l'écran de devant, très intuitif. Et également, le tactile répond vraiment super bien. Et pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous demander. Comment a réagi ma femme? Comment elle a réagi, Ludivine? Eh bien, elle est là. Eh, hey, il est beau quand même, le smartphone. Oui, le prix aussi, il est beau. Tout de suite, le prix. On parle toujours d'argent ici. Toujours l'argent. Bah, en même temps, tu peux pas passer à côté du prix. Attends, c'est un truc de fou quand même. C'est vrai qu'on peut pas passer à côté du prix. Samsung, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Parce que là, au niveau financièrement, c'est très compliqué. J'aimerais une housse, s'il vous plaît. Juste. Eh, hey, t'as pas intérêt de le casser, celui-là. Non, faut pas le casser. Samsung, aidez-moi. Non, non, non. Please, Samsung, une housse de protection. S'il te plaît, Samsung. Mais regarde, une fois déplié, t'as vu, il est beau, franchement. Oui, t'as surtout intérêt de te calmer sur les dépenses, hein. Toujours, toujours faut que je me calme. Bon allez, maintenant on va passer au test des jeux mobiles et on va commencer par Dragon Ball Legends. Voyons voir ce que ça donne sur le premier écran, mais également l'écran déplié. Je viens de connecter mon smartphone à l'aide du câble USB-C sur mon PC afin que vous puissiez avoir le retour de mon écran de jeu. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose qui change de mes précédents lives. Là, ça, c'est ce que vous aviez l'habitude de voir sur mes vidéos, etc. Par contre, une question que je me posais et qui du coup est résolue avant d'acheter ce téléphone, je me posais la question, mais quand je vais jouer à un jeu mobile, est-ce qu'il faut absolument que je déplie l'écran pour jouer au jeu ou est-ce que le jeu est compatible sur le premier écran? Eh bien oui, voilà, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je peux jouer sur le premier écran de ce Galaxy Z Fold 2. Et à présent, la question également que je me posais, une fois l'écran déplié, mais quel serait le rendu des jeux mobiles comme Dragon Ball Legends? Eh bien, on va le voir ensemble. Vous allez voir que je viens de me rendre compte que la qualité, elle est plutôt bien et que l'image n'est pas étirée, mais optimisée. Me voici à présent sur le grand écran de ce Samsung Galaxy Z Fold 2 une fois déplié. Voilà, l'écran que vous voyez là, c'est l'écran qui reflète ici. Eh bien, déjà, première chose qu'on peut constater, l'image du jeu n'est pas déformée, elle n'est pas étirée, elle reste très propre en fait. Le point fort, c'est que c'est la continuité de l'image qu'on ne voyait pas, par exemple, sur un smartphone classique. Là, pour le coup, on va regarder ensemble, vous voyez, toute cette bordure-là, toute cette bordure ici, et même à droite, juste ici, on ne les voit pas sur un smartphone classique. Et bien là, pour le coup, on le voit sur le Samsung Z Galaxy Fold 2, et ça, je trouve ça plutôt cool, même pour vous, en tant que, voilà, viewer, quand vous regardez des lives ou des vidéos, je trouve que c'est quand même beaucoup plus propre de regarder, eh bien, un écran de jeu beaucoup plus grand quand tu es un viewer. On va regarder un petit peu ce que ça donne dans une invocation. Hop, on fait celle-ci, elle est gratuite, autant en profiter, les gars. Donc voilà, donc, bien évidemment, j'utilise une application qui me donne également la main sur mon ordinateur via la souris. Mais en soi, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, hop. C'est sur le téléphone. Hein. Et là, on a beaucoup plus de profondeur. Ça se voit tout de suite. On a beaucoup plus de profondeur sur le jeu. Voilà. Là, franchement, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que c'est ce que j'attendais, en fait, de ce produit. J'avais peur que... Oh, le Switch, bah oui, c'est normal, c'est Sparking Guarantee. Oh, Super Baby 2, bah tenez, le Super Baby qui arrive dans Dragon Ball Fighters, là, au mois de janvier, non, ouais, si, le 15 janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Eh bien, du coup, boum, on le chope dans le jeu des Legends. Même si je l'ai déjà eu des étoiles, du coup, il passe encore avec une étoile supplémentaire, 13 étoiles. Toi, faudrait que t'aies un petit éveil Zenkai, ça nous ferait du bien. Donc, vous voyez ou pas, en fait, il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'immersion, du coup, sur ce téléphone pour les jeux mobiles. J'avais surtout peur d'une chose, c'était d'avoir l'écran de jeu
en plein milieu de ce grand écran avec des grosses bordures noires sur les côtés. Et là, bah, ça aurait perdu vraiment tout son intérêt. J'avais vraiment peur de ça. Je n'arrivais pas à trouver un test sur le net pour les jeux comme Double Legends, même Dokkan Battle, etc. Donc voilà, c'était un peu mon appréhension. Et franchement, bah, pour le coup, je suis plutôt satisfait parce que je sais que derrière, pour vous, ça va être beaucoup plus agréable à regarder quand je serai en live ou quand je serai en vidéo. Donc, moi, franchement, je suis plutôt content. Après avoir testé le rendu de Dragon Ball Legends, allons tester celui de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voici le jeu Dokkan Battle sur le premier écran de ce Galaxy Z Fold 2. Donc, comme vous pouvez le constater, même constat que Dragon Ball Legends, on a ce qu'on avait l'habitude de retrouver sur mes précédents lives et précédentes vidéos sur un smartphone classique, tout bonnement, avec une bonne qualité. Et bien, maintenant, allons voir ce que ça donne une fois l'écran déplié. Et voici le jeu Dokkan Battle sur grand écran, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est pareil, on a vraiment une immersion supplémentaire sur le jeu. Voilà, l'image qui est beaucoup plus grande sans être étirée. Donc voilà, pareil que DB Legends, on a vraiment un travail d'optimisation sur le jeu via ce smartphone qui est vraiment très intéressant. Vous voyez, quand je vais aller dans équipe, chose qu'on n'avait pas, on ne voyait pas la deuxième équipe sur le côté sur un smartphone classique. Tandis que là, eh bien voilà, je vois mes équipes. Je trouve ça bien, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous aussi, si vous pensez que c'est bien d'avoir une immersion comme ça supplémentaire. On va faire une invocation comme on a pu le faire sur DB Legends. Voilà, petite invocation single, bim, parce qu'en ce moment, les DS, les gars, c'est un peu la dèche, hein, surtout que Noël arrive. Voilà, donc voilà, pareil. On a vraiment un grand écran. Voilà, tout simplement, pareil, le glisser, là. Ok, SCJ. Pourquoi pas, sur une single, tu vois, SCJ1. Oh, c'est pareil, je sais pas si vous avez vu, il y avait des petites bordures du SCJ, tu vois, qui s'écartaient, chose qu'on n'avait pas. Pareil ici. Voilà, en fait, ici, on a des petites bordures qu'on ne retrouvait pas au final sur un smartphone classique. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, l'unité que je viens de choper, c'est pas terrible. N'a pas SR, frère, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, encore une fois, bah, je trouve que c'est plutôt très, très propre. Voilà les amis, pour l'unboxing et le test de ce Samsung Galaxy Z Fold 2. Pour ma part, je suis conquis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, les amis, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!